Oriental poison. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre Mifa se porte bien, la team. Bon, tout d'abord, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et vous abonner pour plus de vidéos. La team, comme vous savez, Abdel, il fait dodo et il m'a demandé de faire cette petite vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça y est, le monsieur qu'on a acheté hier, le 82YZ, ben son cousin nous récupère ça et ça. La petite et la grande moto. Il devait nous récupérer le quad, on a essayé de le démarrer en tirant avec la voiture. Mais il n'y a rien qu'à marcher, il va rien marcher, il va rien savoir ce truc, ce bordel. Alors je pense qu'il va aller à la casse. Non, je rigole, la team, on verra qu'est-ce qu'il a. Mais voilà, c'est pas en fait, c'est après les dents. Le monsieur nous a dit, c'est après les dents, tout ça. Donc là, voilà, on se sépare de ces deux petites motos. Ça y est, c'est la fin sur la chaîne de la petite de Momo et de la grande de Abdel. Ça y est, elles disparaissent, la team. Donc on va les charger tranquillement. On y va. Bon, la team, allez, on va monter ça dans la voiture. Parce que regardez dans quoi il le monte. Dans un scénic, hier il nous l'a ramené dans un... C'était quoi hier? Un 4x4. Ouais, un Renault 4x4, un peu comme le Qashqai. Et là il prend un scénic. Bon, on va essayer de monter ça d'abord, non? T'as pas une... Voilà. Là, elle est passée, là. Ouais. Là, elle est bonne, là. Non. Je sais pas si c'est au dernier. Là, elle est belle, là. Non. Moi, je sais pas si tu vas fermer. Hein. Ouais. Bon, la team, j'ai trouvé plus barjot que moi, je crois. J'ai trouvé un peu plus barjot que moi. Regardez-moi qu'est-ce qu'ils m'ont fait. À l'endroit, à l'envers, l'essence qui coule, pas l'essence qui coule. Des barjots, ils ont pris une moto sur une autre moto, une clé dans une... Limite, la prochaine fois, on va ramener un Twingo. Ouais, un Twingo pour mettre... 7-8 motos dedans, ça va passer. D'ailleurs, nous en quartier, on rentre dans la Twingo, on rentre à 50. Mais eux, ils mettent 50 motos. Tu vois? Bon, la team, comme on vous disait, voilà, c'est la fin de ces deux petites motos d'Abdel. Voilà. Plus Momo. Momo, ciao ta moto. Barra, reste à la maison là-bas. Hashtag. Reste chez maman, il n'y a plus de moto ici. Il n'y a plus rien pour toi. Je rigole, mon petit Momo. Voilà, ta petite moto, elle s'en va. La moto du bof, elle s'en va aussi. Toutes les petites motos s'en vont. Sur ce, la team, ben voilà, comme je vous dis, hein, on arrive sur la 82YZ, sur la rouge, et le quad, on verra bien qu'est-ce qu'il a, ça sera une prochaine étape encore. Allez, ciao! Oui, c'est la marée, comme à tous! Ah bah non! Mais non! Mais non, je l'ai fait! Bah oui, c'est pas je l'ai fait déjà! Pardon, bah oui, je suis con, bah oui, parce que tu étais en train de faire dodo! Comme vous le savez, du coup, la YZ, on a pris soin, bougez pas, restez là, sur la tête de Franck, j'arrive. Bidon, voilà, donc du coup, et c'est où que t'as écrit YZ? J'ai pas écrit parce que c'est le petit et le grand c'est pour les autres. D'accord, donc, bon, celui-là du coup, c'est spécialement pour la... Oh putain, il est plein, hein, mon con. Ah, j'avais 10 litres. Voilà, donc celui-là c'est pour la YZ, c'est ça, explique-leur voilà. Rapidement ce que t'as mis dedans. Ben j'ai mis ça avec 2% de, j'ai pris l'huile Castrol. Voilà, parce que pour moi, je vais pas dire que c'est la meilleure, mais... C'est pas mal. Il y a celle-là, et il y a l'Ipone. Ou la samouraï, mais là ouais, il y avait... C'est des sauces ou c'est des huiles frérot? Nippone, samouraï, algérienne... Mais après moi j'aime bien Castrol parce que si t'as à l'époque, t'as Beckley, et je sais qu'ils mettent... Et frérot, moi quand je regardais Castrol. Les trucs de Formule 1, voilà, il y avait Castrol dessus. Ben oui, ouais, c'est pour ça que moi je prends toujours celle-là, parce que celles qu'ils font maintenant et tout, Nippone et tout, c'est de la frappe et tout aussi. Ouais. Mais je préfère rester dans le vieux. Dans le vieux qu'à tenir. Dans le, voilà, dans le vieux qu'à tenir. Bon, autre petite chose, ouais, la vidéo prendre du bof qui a pas super bien marché d'ailleurs. Ah, pas du tout même. Voilà. D'ailleurs, les ballons, il y a Momo, t'inquiète. Ah, tu crois qu'ils sont là pour faire Momo? Il y a Momo qui vient d'arriver. Et du coup, elles sont mes motos, le bof? Ben, les motos, il y en a une qui est partie dans un scénic et une qui est partie dans une Clio. Bon, du coup, honnêtement, comme d'habitude avec les abonnés, on a réussi à tirer combien de ces motos, du coup? Alors, ces motos, franchement, je vais pas vous mentir, la team, vous pouvez aller voir ma vidéo de l'époque Tabacly, c'est celle qui a fait le plus de vues. Je les avais achetées 1 500 €, les deux. Et on les a vendus. Alors à la base, on lui avait dit 800 €. Cool. On lui avait dit 800 € au monsieur hier. Et il est venu aujourd'hui. Comme en fait, on avait tourné un peu le guidon quand t'étais tombé et tout ça. Il m'a dit, regarde le guidon tordu et tout. Oui, il a essayé de faire comme toi, quoi. Voilà. Il a essayé de faire comme toi, de voir les petits détails de merde. Les petits détails qui vont prendre 5 minutes à revisser. On va se mentir. Voilà. Mais comme hier, ça a été un bon monsieur. Ouais, ça a été. Et il nous l'a ramené jusque-là. Il s'est cassé la tête et tout. Il nous a fait payer PayPal, comme on vous a expliqué et tout. Qu'il n'y en a pas beaucoup qui prennent ça.
Du coup, je lui ai dit, vas-y, je t'arrange, je t'enlève 100 euros. Et il les a pris pour 700 euros, donc ça voilà. Fait limite la moitié du prix. Et je trouve que c'est très bien, alors que ça fait 3 ans qu'on les a. Alors, oui, ça oui. Autre petite chose, le problème que les abonnés ont dit, il faut savoir que Dave, il n'avait pas démonté cette partie du moteur-là. Et du coup, en fait, il m'a dit, là, le quad, il va venir chercher Dave. Donc, voilà. Vous mais le quad, bien, en fait, on a tiré avec la voiture, tout TCQR, ça. TCQR, c'est ça voilà. Sa chaîne. TCQR. TCQR, il va venir... Il va récupérer le quad, voilà. Il va le ramener avec lui chez lui et cette fois-ci il va démonter entièrement tout le moteur. C'est ce que je lui ai dit. Et comme ça on sera tranquille et on pourra reprendre des vidéos quad parce que là, et normalement, en même temps, il nous ramène normalement une autre. Ah, on dit pas, on dit pas, on dit pas. Alors si je vous dis MyYZ, vous m'avez dit c'est le top du top, c'est une moto super rare, mais vous m'avez dit une qui est au-dessus de la YZ. Mais oui. Juste au-dessus. Juste au-dessus de quoi que t'entends déjà, et là tu vas t'envoler, tu sais que t'as l'air j'en ai fait. Tu sais comment tu. Ouais, tu sais même décapé. Ouais, il y a où direct. Ah ouais, vas-y, de toute façon on va aller en faire. Hein. D'ailleurs, la seconde vidéo ça sera ça. Voilà, et puis voilà, les motos on les a vendues donc. Voilà, on a quand même gardé la rouge parce que celle-là elle est neuve. On va échanger le carburateur dessus, je vais l'amener dès que le cache-caille est réparé. Parce qu'on a voulu amener le cache-caille, mais il est indéplaçable donc le monsieur vient le chercher demain. Donc en fait, dès qu'il va me récupérer le cache-caille, on met celle-là dans le cache-caille et on va lui changer le carburateur, pareil, on l'amène chez le monsieur, il nous change tout, comme ça on aura une autre moto, Ishjidou. Et ouais, on aura cette moto-là qui marchera, voilà. La YZ, la troisième qui va arriver, la troisième qui va, le quad, et après, normalement, il y aura une petite surprise, parce qu'il y en a une qui commence un petit peu à faire la motarde. Ma femme. Voilà, que veut une moto comme la petite, parce qu'en fait elle est dégoûtée que la petite elle est partie parce que c'était celle qu'elle pouvait en faire. Voilà, qu'elle pouvait en faire mais elle en veut une la même que la rouge, du moins un peu plus haute comme la verte. Comme ça elle voit toutes ses vitesses en mais rouge. Elle veut pas de vitesse. Non, elle la veut automatique. Ah ouais, elle veut. Voilà, elle a dit comme ça c'est plus simple. Et Mia c'est en vrai. Même temps, on lui prendrait un petit quad, comme ça on pourrait tous partir en balade. Attends frère, tu veux que je me retrouve avec 5 motocross et 2 quads dans la. Quoi la tienne 5 motocross et 2 quads voilà, oh, même des professionnels, ils ont pas autant de motos dans leur garage. La tienne, la mienne, celle de Mia, celle de Lia, et on part tous en balade. Ouais. Moi, si le Raptor il marche, je prends Aurélie derrière. Mia, son petit quad. Toi, ta moto, et nous partons tous. Et Lia, sa moto, et nous partons tous faire une grande balade familiale. Voilà. Bon ben voilà la famille, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage, à très très bientôt. Et c'est la fin de ces deux petites motos qu'on fait 3 jours sur la chaîne. Fais le trou, je vais moucher, j'ai le nez qui coule. Eh ouais, le nez qui coule, tant que c'est que le nez qui coule. Bon allez la team, ben voilà, c'était la fin de ces deux petites motos, elles ont duré 3 ans sur la chaîne. Vous les avez bien kiffées, on les a bien kiffées aussi, mais il faut toujours un départ tout le temps. Donc on a un petit départ et on vous dit ciao.